Yeah.
Bienvenue à tous les téléspectateurs. Je vous dis shalom, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir choisi cette émission. Shalom, bienvenue, chère shalom, Claudia. Papa. Shalom, papa Jaco. En que Dieu cas, vous bénisse. Merci, amen. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a commencé par cette première chanson qui fait partie de l'album Identité. Est-ce qu'il est déjà disponible, Identité? L'album Identité est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Mm-hmm. Et les CD viendront après. Les plateformes de téléchargement, c'est gratuit? Bon, on paye un tout petit peu. Un peu seulement. De toute façon, ils savent comment ça se passe. Dans le monde entier, maintenant, on est à l'ère du numérique. Oui. Voilà, la chanson, c'est Ayebinga, il me connaît. Pour ceux qui ne comprennent pas la plus belle langue du monde, le lingala. Ayebinga, qui me connaît? Qui Ayebinga? Ayebinga, bon, qui me connaît? C'est Jésus, tout simplement. Mm-hmm. Le Seigneur nous connaît, il me connaît, il vous connaît, il nous connaît tous ceux qui nous suivent en ce moment, parce que c'est lui qui nous a créés, en fait. Et il dit, il nous a créés à son image. Mm. Donc nous sommes l'image de Dieu. Amen. À chaque fois que nous nous doutons que le Seigneur ne nous connaît pas, nous nous rappelons toujours que le Seigneur, c'est lui qui nous a créés et il nous a créés à son propre image. Mm-hmm. Lorsqu'on dit à son propre image, ça veut dire qu'on le ressemble. On ressemble au Christ. On ressemble vraiment à Christ. Oui. Comment ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous suit qui va se poser des questions. Comment on lui ressemble? On lui ressemble par... Il a dit qu'il nous a créés à son propre image, mm-hmm. l'image de Christ. Mm-hmm. L'image, par ses paroles, je peux dire, l'image de Christ, c'est ce qu'il est, au fait. Amen. C'est qu'il est. Donc, on doit refléter ce que Jésus est dans nos vies. Aha. Donc, dans nos vies, tels que nous sommes là, en tant qu'enfants de Dieu, bien sûr, nous avons toutes les capacités que Jésus a. Bien sûr. Toute la nature de Jésus aussi. Bien sûr. Ah, mais lui, il est Dieu aussi, non? Mais nous aussi, nous sommes des dieux. Ah, explique-nous. C'est ce que la Bible dit. Explique-nous. Parce que nous reflétons cette nature. Et c'est par la sanctification que nous allons refléter la nature des dieux. Amen. Oui. Amen. Alors, j'ai envie de poser cette question parce que je sais, ça bouillonnait quelque part, mais moi aussi, au plus profond de moi, ça bouillonnait. Vous dites, Dieu me connaît. Il nous connaît, il nous a créés à son image, à sa ressemblance, et il nous a connus déjà avant même que nous ne venions, que nous ne naissions. Ok, je suis d'accord. Mais comment ça se fait que lui qui nous connaît, il me connaît, moi, Jaco, et en même temps, je suis en train de passer des situations difficiles et compliquées alors que j'ai un Dieu qui me connaît et qui m'a d'ailleurs créé à son image. Oui. Le fait est que quand nous passons par ces moments difficiles, ce qui est normal, parce que Dieu veut tenter de voir là où peut aller notre foi. Quand nous passons par ces moments, souvent on se dit, bon, le Seigneur m'a oublié, le Seigneur, tout ça là. Mais lui, il veut qu'on puisse retourner vers lui. Retourner vers lui, savoir qu'on a un Dieu grand. Parce que très souvent, ah oui, on peut acclamer, ne vous gênez pas. Parfois, on se pose cette question. On a comme l'impression que même nos prières ne sont pas écoutées, ne sont pas reçues par Dieu. C'est comme s'il n'est pas là, il ne nous entend pas, il ne nous écoute pas. C'est comme si, voilà, il n'existe plus. Cette sensation-là, même quand on ressent cette sensation, on va dire entre guillemets, de l'absence de Dieu, on doit toujours quand même se rassurer qu'il est là et il nous connaît. Bien sûr. Uh-huh. Parce que la Bible me dit que ceux qui s'approchent de l'Éternel croient qu'il existe. Donc déjà, quand tu t'approches de Dieu, tu dois d'abord te mettre en tête qu'il est là et il t'écoute.
Parce que tu ne peux pas t'approcher de lui quand tu ne crois pas en lui. Non, même pas. Il faut croire. Cette croyance-là qui nous oblige à voir. Mm. On doit croire qu'il est là. Même quand on sent qu'il ne nous répond pas et tout ça là. Mais il est là, il nous écoute. Mm. En son temps, il va le faire, il va nous répondre. Tout se passe par rapport à son temps à lui. C'est ça, oui. Alors, comme Dieu nous connaît, sœur Claudia, qu'est-ce qu'il est capable de faire puisqu'il nous connaît, puisqu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance? Il est capable de tout faire, tout ce dont on a besoin. Vraiment tout. Il est capable de tout faire parce que c'est un Dieu grand. C'est pas pour rien on dit que c'est un Dieu grand. Amen. Pas seulement qu'il est grand, il est aussi puissant. Donc il peut tout faire, tout. Il peut me guérir. Oui, tout. La Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il est monté à la croix. Il a tout porté, tout. Nos fardeaux, nos péchés, nos maladies, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons bien. Juste, donc, il peut tout faire. Juste une question pour taquiner. Est-ce qu'il peut me donner de l'argent aussi? Bien sûr. Même l'argent? Bien sûr. Beaucoup d'argent? Oui. Vraiment beaucoup? Oui, il suffit de demander. Lui, il a besoin seulement de nous écouter, parler, demander. Demandez et l'on vous donnera. C'est ce qu'il a dit. Un Dieu qui nous connaît comme ça, c'est merveilleux. Oui. Je pense qu'on peut acclamer pour cela, pour ce Dieu merveilleux. Nous parlons ici, nous élevons le nom de Jésus-Christ d'ailleurs. Alors, j'ai envie d'écouter cette deuxième chanson. Évidemment, on ne va pas décortiquer tout l'album parce que malheureusement, on n'aura pas le temps de le faire, hein, même si on le voulait. Hein, dans une émission juste de 60 minutes. Mais voilà, la deuxième chanson que j'ai envie d'écouter, je vais choisir comme ça, c'est Molongi, le victorieux. C'est ce que ça veut dire. Oui. Voilà, je traduis pour ceux qui ne comprennent pas le lingala. On va l'écouter et vous allez revenir ici juste après pour essayer d'en parler un petit peu. Hein, aussi, pourquoi pas. Mesdames, messieurs, on écoute tout de suite Molongi. Alinga katenga na souffrire tika na yemba.
Voilà, Molongi, le victorieux. Oui. Qui est victorieux? Nous sommes les victorieux. Nous tous, les enfants de Dieu. Oui, nous sommes des victorieux. Pourquoi? Parce que quand on parle de victoire, c'est-à-dire qu'il y avait un combat à la base. Oui. Et qu'on a vaincu. Oui. Et on est victorieux. Le c'est quoi le combat? Et la victoire, on nous l'accorde comment? Le combat, déjà le combat, c'est... Ce sont nos péchés, nos malheurs. C'est ça déjà le plus gros c'est combat. C'est ça le combat, le péché. Nos maladies, ce sont des combats. Et lorsque nous venons auprès du Seigneur pour l'implorer, lui, il nous dit seulement de rester calme. C'est lui qui va combattre pour nous. Et il l'a fait déjà à la croix. Il a combattu, il a porté tout sur lui. Il est descendu même dans le séjour des morts pour combattre pour nous. Donc nous sommes là, nous restons calmes, nous savons qu'il y a un Dieu qui combat pour nous et nous avons la victoire à la fin. Donc nous nageons dans la victoire, oui. On vit dans la victoire, oui. Peu importe les combats qui peuvent se présenter. Bien sûr, oui. C'est vrai, vous allez dire, c'est par rapport à la Bible, la parole de Dieu qui le dit, mais est-ce que quelque part, cette chanson... C'est aussi votre témoignage personnel. Bien sûr. Vous avez vécu des combats aussi. Oui. Parlez-nous-en. Cette chanson, c'est vraiment un témoignage. Je parle de ma vie. Amen. À un certain moment, j'ai vécu des histoires tristes. C'était vraiment malheureux. Et je me disais, des fois, je me demandais si le Seigneur vraiment m'écoute. Même aller à l'église, je n'y allais plus.
Même quand il fallait prier, je m'agenouillais, je ne savais plus quoi dire à Dieu. Mais quelque part dans la Bible... Qu'est-ce qui se passait pour atteindre cette situation? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'abord, enfin, si ce n'est pas un secret. Hein? Non. Okay. J'aurai le temps d'en parler en long. Je vais juste être brève. Bref, oui. Je suis née dans une famille chrétienne, des parents divorcés. Déjà, à l'âge de 3 ans, on est parti avec notre maman. Ce n'était pas facile. On a vécu comme ça. Des fois, on allait dormir sans manger et ça passait. Tellement que ma mère était une chrétienne, elle nous apprenait toujours à prier. Elle nous disait, même si ça ne va pas, demain ça ira. On a étudié difficilement. Mais aujourd'hui, là, on a terminé les études, on travaille et tout. Parce que moi, je suis la cadette d'une famille de 4 filles. Alors, on était rejetés par la famille de notre papa et tout, parce que à l'époque, quand tu as rien que des filles, tu ne vaux rien. Là, tu n'as rien fait. Et c'est ce qui s'est passé avec nous. On nous a chassés de partout. Vous êtes des filles, allez là-bas, qu'est-ce que vous allez faire dans la vie? Mais aujourd'hui, moi, je suis née, mon père était polygame, mais c'est mes frères qui viennent après moi. Bon, ce sont des garçons, mais ils sont débiles. Okay. Là, c'est un message de Dieu. Okay. Quand tu négliges quelqu'un, mais aux yeux de Dieu, qu'est-ce qu'il est aux yeux de Dieu? Dieu, lui, ne les néglige pas. Parce qu'il nous connaît, il connaît notre avenir. Et c'est ça. C'est, bon, après tout ce qu'on a vécu là, ça m'a inspiré. C'était beaucoup de combats. Et j'ai, oui, voilà. Et ce qui a fait d'ailleurs qu'à un moment... vous n'alliez plus à l'église, oui, même quand vous vous mettez à genoux à la maison, vous n'arrivez même pas à prier. C'était vraiment une souffrance, c'était une lourde peine que je portais. J'étais rejetée de partout et tout, je me disais... Bon, vous n'alliez plus à l'église parce que découragée ou bien... Découragée, oui. Je me disais comme si, je me voyais comme si je n'existais pas, en fait. Parce que tout le monde, quand tout le monde te chasse comme ça, tu vas aller où? Tu t'enfermes sur toi. C'est ce que je faisais, je suis restée à la maison pendant des années. Je peux dire même 3 ans ou 4 ans, je n'allais plus à l'église. C'est pas bien ça. Oui, je n'allais plus à l'église. Je priais même, c'était plus dans mes pensées. Ah là là. Mais après... Heureusement que l'enlèvement ne s'était pas fait. Vraiment, hein. J'allais rester. Mais par après, le Saint-Esprit, vous voyez, le Saint-Esprit est vraiment important dans nos vies. Amen. Il est toujours là en train de parler à nos oreilles. Non, le, ne fais le pas coach. Ça. Oui. C'est comme ça que je l'appelle, moi. Reviens au Seigneur. Ne fais pas ça. Alors, j'ai commencé à aller petit à petit, jusqu'à ce que, voilà, je suis là. Il vous a donné la victoire. Il m'a donné la victoire. Des fois, je me mettais à genoux pour prier. Ça n'arrivait pas. Oh, j'ai à resté ce point-là là. Oui. J'ai resté là sans rien dire. Je suis là. Et puis après, je me lève. Je me dis, bon, Seigneur. Tu as déjà écouté ce que je voulais dire. Bon, ok, voilà. Tu connais tout. Comme tu connais tout, tu sais déjà ce qui est dans mon cœur. Et la Bible dit, le Saint-Esprit, il est là, il nous défend. Même par nos soupirs inexprimables, il nous défend auprès du Père. Voilà. Sur vos biens, Molongi, le Seigneur vous a donné la victoire sur vos multiples combats. Et je parie qu'il y a quelqu'un qui est en train de traverser peut-être pire aussi, hein, pire en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire là, maintenant, il est en train de nous suivre? Voilà, tout ce que je peux dire à la personne qui nous suit en ce moment, de ne pas se décourager. De ne pas perdre espoir parce que le Seigneur, lui, il est là pour nous. Il est celui qui nous a appelés. Il nous connaît, il connaît notre avenir. Même quand je n'étais pas encore née, il savait déjà que je serais sur ce plateau. Amen, amen. Donc, il ne se décourage pas. Ayez seulement la foi en Dieu. Voilà. Croire et toujours croire. C'est très important parce que sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Il y a une autre chanson qui a pour titre « Mon seul espoir ». Je remarque d'ailleurs que depuis le début, c'est comme si on était en train de tourner autour presque des mêmes thèmes qui résument d'ailleurs votre identité. Voilà. Votre identité d'enfant de Dieu et votre identité en tant que Claudia qui a traversé des épreuves avec le Seigneur. Oui, au fait, cet album, je l'ai intitulé « Identité » parce que je chante moi. Ok.
C'est chante votre ma vie. Identité voilà. à vous. Et je souhaiterais que quelqu'un qui va l'écouter mm-hmm. puisse aussi avoir quelque chose. Se retrouver hein, voilà, par rapport à ça. Cela. Alors, mm-hmm. vous allez nous offrir un cadeau encore. Oui. On va écouter Mon seul espoir. Mm-hmm. Et nous, on va revenir encore ici, juste après ce cantique. Hein. Okay. Allez, à tout de suite. Dalanga lokola mwana, papa pardon.
toi, Jésus, pour implorer ta grâce. Alléluia. Jésus. Mon seul espoir. Nous parlons ici de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Ah, il faut qu'on sache, parce qu'on ne parle pas de mon oncle ou de votre tante. Oui, notre seul espoir. Uh-huh. Mm. Ça aussi, c'est par rapport à l'expérience que vous avez vécue, oui, avec Jésus. Oui. Parlez-nous-en. Quand je chante mon seul espoir, je me base plus sur un verset dans Psaume qui dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui. Mm. Donc, quand nous avons des tourments... Parce que dans ce monde, on est venu dans un monde où il y a beaucoup de haine, de jalousie et tout. Mm-hmm. Donc, les problèmes ne manqueront surtout jamais. Surtout chez nous, les Africains. Hein? Oui. La jalousie africaine. Là. Et là, je me suis dit, nous courons vers l'Éternel, qui est notre seul abri sûr. Mm. Amen, voilà. Amen. Alors, mon seul espoir, c'est cette chanson qui fait aussi partie de l'album. Oui. Alors, revenons à l'album, justement, parce que tout au début, on en avait parlé, l'album, justement, de la sœur Claudia Kabetsi, oui, qui a pour titre Identité. Identité. Parlez-nous-en. Allez, il y a combien de titres dans cet album Identité? L'album Identité a 6 titres. Mm-hmm. Je n'ai pas voulu faire beaucoup de titres. C'est bien. Surtout que c'est la première fois que je sors un album. Mm-hmm. J'ai voulu que les gens puissent vraiment savourer toutes, mm-hmm, les chansons. Bien sûr. L'album a 6 titres. Et l'identité, c'est ce que j'ai dit précédemment. Je parle de moi, de ma vie, de mon vécu. Mm-hmm. Voilà. De votre vie, de votre expérience, oui, avec Jésus-Christ. On va dire que c'est votre premier album. Hein? C'est mon premier album. Le tout premier. Le hein? tout premier, oui. Ah, d'accord. Alors, juste une question de curiosité. Ça ne se trouve pas ici. Oui. vous chantiez depuis longtemps, vous saviez depuis longtemps que vous aviez ce talent-là? Oui, je chantais depuis longtemps. Je peux dire depuis que je suis née. Parce que déjà à l'Écodim, j'étais... D'abord, avant d'être monitrice, j'étais aussi à l'Écodim. Ok. J'étais à l'Écodim. Déjà là, j'ai commencé à chanter déjà. On m'appelait souvent quand on était là derrière à l'Écodim. On me dit non, on appelle qu'elle vienne d'abord ici chanter. Je vais là-bas au culte, je chante, je fais quelque chose. Et puis bon, là c'était à l'est chez nous à Goma. Quand je suis venue ici à Kinshasa, j'avais sorti une chanson, mais qui n'a pas fait quelque chose. Mm-hmm. Et puis, je me suis intégrée dans des groupes, des orchestres. OK. C'est là où j'ai plus évolué. C'est quand que vous avez décidé, finalement, vous-même, de vous lancer? J'ai décidé, il n'y a pas longtemps. De vous jeter à l'eau, il n'y a pas longtemps, en tout cas. Uh-huh. Il n'y a même pas 3 ans que je me suis décidée. Il y a quelqu'un qui vous a encouragé dans ça? Bon, comme c'est un don, mm-hmm, on est toujours là en train de faire ça. Mm-hmm. Mais on attend souvent les temps des dieux. Okay. C'est important. OK. Parce que quand on fait ça en dehors du temps des dieux, on fait, et puis ça ne fait rien. Mm-hmm. Alors, il est temps de... On prend le temps de se mettre d'abord sous les pieds des dieux. Surtout que vous êtes des adorateurs. Oui. Donc, il faudrait vraiment que ça soit bien. Oui. En et esprit on attend, et en vérité. Et on attend jusqu'à ce que le Seigneur te dise, vas-y. Uh-huh. Et là, maintenant, tu t'élèves et tu fais son travail. Donc, maintenant, il vous a dit, allez-y. Oui. Voilà. Il y a l'album Identité, que je vous rappelle, que c'est l'album de la sœur Claudia Kabetsi, qui est d'ailleurs déjà disponible, oui, sur les plateformes de téléchargement. Mmh. Et on pourra l'avoir quand, comme ça, physiquement? Physiquement, on l'aura le 15 décembre. Mmh. Parce que là, on prépare une sortie officielle. OK. Ça sera... au sein de mon église, là où, mm-hmm, je prie, l'église Pierre Angulaire. Okay. C'est là où je vais organiser ça. Mm-hmm. Le 15 décembre, on aura tout, on aura les CD. Si Dieu le veut, aussi les DVD. OK. Ah, on sera là. Et je serai là. Enfin, je serai là. Beaucoup. Parce que maintenant, finalement, je m'autoproclame moi-même maître de cérémonie, wow, de tous les chantres. Amen. Oui, oui. Oui. Amen. Merci beaucoup. Parce que j'ai compris que de ce côté-là, ils ont leur maître des cérémonies. Oui. Alors, de notre côté aussi, hein, on doit on avoir doit notre avoir, oui, et voilà, je suis là. Voilà. Merci beaucoup. Alors,
Donnez-nous envie, finalement, de chercher ou de télécharger cet album. Oui. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Quel genre de message? Donnez-nous envie. Parlez-nous-en, vous-même. On va trouver un message d'espoir, un message de foi et un message de comment chercher le Seigneur en profondeur. Mm-hmm. Voilà. En tout cas, c'est tout ça qu'on va trouver dans cet album Identité qui comporte évidemment six titres. Aujourd'hui, mais c'est qu'on est riche aujourd'hui. Hein. On a quand même parcouru quatre titres. Oui. Et les deux autres titres, on peut les connaître, c'est quoi? Les deux autres, il y a Bolingonayo. Bolingonayo. Il y a Jamais. Qui parle de l'amour de Dieu, oui, de Jésus. Okay. Il y a Jamais. La chanson Jamais, je suis en train de dire, jamais je ne changerai. Mm-hmm. Malgré tout ce qui peut se passer, jamais je ne changerai. Je resterai toujours au pied du Seigneur. En tout cas. Oui. C'est très bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Alors, on est arrivé à la fin de l'émission. On ne va pas se quitter comme ça parce que vous allez encore nous bénir par une autre chanson. Mais j'aimerais quand même que vous puissiez juste lancer un petit message comme ça à tous ceux et celles qui nous ont suivis depuis le début de l'émission. Juste un petit mot. Ok. À tous qui nous suivent en ce moment, j'aimerais tout simplement dire que Dieu vous connaît. Dieu te connaît là où tu es. Amen. Il connaît ton avenir. Amen. Ne t'agite même pas, ne promène pas des regards inquiets. Il te connaît. Il connaît ce que tu seras demain. Peu importe les malheurs qui te suivent en ce moment, demain ça ira. En tout cas. Amen. Donc moi aussi, Dieu me connaît. Hein. Bien sûr. C'est pour ça que je suis calme. Si tu es en vie, c'est qu'il te connaît. Je suis calme, il me connaît. Merci Seigneur Amen. De me connaître. Il connaît même aussi cette émission. Oui, bien sûr. Il a voulu que je passe cette émission, c'est qu'il connaît. En tout cas, Claudia Cavetti, merci. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. Oh, je ne peux pas vous citer, mais en tout cas, ils sont là. Ils sont là dans le générique. Merci. Merci de tout cœur. Merci à ce charmant public. Écoutez les applaudissements. Ils sont là. Ce public qui était là depuis très très longtemps. Moi, je vous dis, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse et ciao, ciao. Yeah.
Attention.
Goliath, ok. Ata Goliath Boutou. Ata Goliath Boutou. Ata Goliath Boutou. Ata Goliath Boutou. Si lui ça y est pas qu'un silence. Ata Goliath Boutou. Ata Goliath Boutou. Ata Goliath Boutou. Ata Goliath Boutou. Les autres, les autres, les autres.